Ces images-là n'ont par exemple pas été tirées en sous forme achevée, ou alors si elles l'ont été, j'ai préféré cette version parce que très souvent le tirage plus neutre parlait davantage. Vous avez ici par exemple les loisirs des différentes classes sociales. Vous avez un très, très intéressant tirage ici de travail qui montre comment il avait envisagé par exemple cette photo à partir du tirage de travail, de la recadrer s'il l'avait tirée en tirage final. C'est une photo où on voit ces loisirs qui consistaient à balader les gens dans des nouveaux ferry boats pour leur montrer Pittsburgh de l'extérieur avec l'architecture qui venait d'être mise en place. Donc certains, par exemple, n'ont jamais été vus. Par exemple, ça n'a jamais été vu. D'ailleurs, ce sont des images nouvelles de Pittsburgh qui n'avaient jamais été vues par les spectateurs, jamais sélectionnées parce que ce n'était pas des working prints. C'était pas des fine print. La municipalité a multiplié gratuitement les librairies municipales, hein, où les gens pouvaient lire, consulter les journaux, écouter des disques. Là, vous avez une photo, par exemple, typique de Smith, très sombre, avec un objet qui est isolé, un étui à violon vide, hein, qui manifeste pour lui, quelque part, cette espèce d'expressionnisme souvent naïf, mais en même temps, bon, qu'il explique fort bien, cette espèce de désert musical qu'était Pittsburgh, il l'a illustré dans cette photo extrêmement symbolique. Toute cette accumulation autour des loisirs de Pittsburgh, et Dieu sait s'il y en avait d'autres encore une fois, il y a 17 000 négatifs et vous avez 180 images ici. Donc vous imaginez ce qu'on pourrait ajouter, je veux dire, c'est une œuvre ouverte. J'aurais pu faire 10 expositions à partir de ce qu'on avait sous les yeux. C'est encore une fois quelque chose qui est limité. Mais encore une fois, regardez comment le travail s'opère. Et très souvent, la prise de vue est déjà sombre. Hein. Même si elle n'est pas travaillée, elle est déjà sombre. La façon dont Smith mesure l'exposition lui permet d'avoir déjà des contrastes. Smith, qui était farouchement anti-capitaliste. N'oubliez jamais que Smith a pris la direction de la Photo League, cet organisme radical. Donc ici, vous avez tout un travail sur les banques, avec une symbolique forte. Mais par exemple, ici, les banques ont été reconstruites au début des années 50 par une dynastie de banquiers qui tenait Pittsburgh, qui tenait économiquement depuis des décennies, qui s'appelait les Mellon. Alors, son parti pris dans Pittsburgh, c'est à la fois... épaté par ce qui s'y passe, cette espèce de renouveau, le rapport entre l'ancien et le nouveau qui est en train de se mettre en place architecturellement ou technologiquement, mais en même temps une condamnation de ce qui s'y fait, et notamment une condamnation de l'ordre économique. On verra plus loin comment il a photographié des grèves, etc. Un accent qui est mis dans le tirage, mais cet accent mis dans le tirage, il est là pour encore mieux faire comprendre son point de vue sur ce qu'il voit. J'ai fait une sélection, mais que j'ai volontairement raccourcie, pour essayer d'arracher Smith à cette espèce de parfois niaiserie dans laquelle on le comptait, notamment cette photo dont j'ai horreur, qui est la plus connue, c'est les deux petits-enfants qui vont vers l'Europe ou Paradise Garden. J'ai toujours trouvé une niaiserie comprenante. Voilà une tentative qu'a faite Smith de recadrer de façon encore plus drastique. Alors ici, vous avez l'accent mis sur les générations, resserré sur vieux, jeunes, etc. Là, vous avez cet effet qui est beaucoup moins évident. Pittsburgh, au moment où la ville est reconstruite, on prend en compte le boom du rôle de la bagnole dans les années 50. C'est les voitures démesurées. Il y a un accès à l'achat des voitures, à la consommation automobile, qui fait que la ville est en train de se littéralement restructurer autour de la voiture. Du style constructivisme russe, etc., qui était celle de Rodchenko ou alors des tenants entre deux guerres de la nouvelle vision. Et ça, c'est étonnant. Et il a fait toute une série d'études comme ça qui sont extrêmement intéressantes. Je répète que tout ceci était au 35 mm. C'est...
Il utilisait trois appareils télémétriques, les Canon 7, Leica M3 et Contax. Voilà une image qui est datée. C'est ça qui est chez Smith, qui était intéressant. Ça, c'est très daté. On dirait de ces photos des années 50, de la subjective photographie ratée. Et à côté, vous avez des images beaucoup plus contemporaines. Mais c'est bien, de tout ça, ça coexiste ensemble, et c'est aussi la respiration de l'œuvre. Hein. D'exigence d'ordre et de transformation qui le fascinait. Cette espèce de fil à plomb, tout seul, qui sort. Et là, on est dans le symbolisme de Smith, qui a, il faut bien le dire, parfois le plus vieilli. Mais en même temps, je ne sais pas pourquoi, je veux dire que quand on regardera dans 50 ans certaines images contemporaines, on dira, c'est d'un hangar achevé, et c'est d'un néopictorialisme confondant. Donc allons-y, on fait le même cas avec lui. Je veux dire, ça c'est une image qui est d'un symbolisme un peu lourd. En montrant le maximum de choses, on arrive à voir l'empreinte de toute sa stylistique ici, on dirait une photo... du commandant Puyot, quoi. Enfin, c'est The Smoky City, la ville était polluée, vous n'aviez pas idée. Ici, l'interprétation va permettre au laboratoire de gommer tous les détails ici, de façon à renforcer, par contraste, le côté infernal de l'affaire. Qui étaient des négriers, c'est-à-dire qui exploitaient de la façon la plus éhontée leur personnel. Si bien qu'en 1955, il y a 2500 personnes de Westinghouse qui se mettent en grève. Cette grève va durer 122 ou 123 jours. Et c'est juste au moment où Smith est là. Et c'est une grève qui paralyse la ville. Et à cette époque-là, les syndicats américains, ce n'était pas du genre des syndicats actuels qui sont d'un béni oui-oui complet. Ils avaient l'idée que s'ils voulaient faire plier le patronat, il fallait que ça soit jusqu'au bout. Ils y sont arrivés. Au bout de 121 jours, Westinghouse était à deux doigts de plier la boîte. Et donc, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Renaissance, disaient les Américains, ils ont pris notre mot. Et cette renaissance de Pittsburgh, c'est pour lui aussi une renaissance végétale. Il s'y était attaché longuement à la décrire. Bon, là, vous avez des photos, certaines sont très connues. On est loin de la mise à distance, encore une fois, qui est celle qui a été mise en place dans les années 70 par la photographie documentaire américaine. Ça, c'est une photo admirable qui est typique de ce que faisait avec un tirage Smith, c'est-à-dire espèce de monde comme ça, mélancolique. Il y a deux choses qui me frappent maintenant quand je regarde ça, c'est la référence implicite à Dickens. Je pense à Charles Dickens, les grands romans de Dickens, je pense par exemple Les Temps difficiles de Dickens, ou tous ces romans-là de grandes espérances, où vous êtes dans un monde comme ça, urbain, sombre, avec l'enfance qui est un véritable rayonnement, et en même temps une mélancolie considérable qui n'est jamais une condamnation. Encore une fois, c'est très clair quand on voit ces images-là. C'est très clair, devant les tirages qui sont sombres, c'est un adjectif osé, mais bon. Cette espèce d'architecture moderne comme ça, qui est pour lui inhabituelle, on commençait à faire mélanger le verre, l'acier, c'est quelque chose à côté de ça qui lui fait problème. C'est véritablement, encore une fois, c'est ça qui est passionnant dans Pittsburgh, c'est tout ce qui est en germe comme ça et qui l'a reniflé, quoi, sans l'amener jusqu'au bout. Ce projet de Bill Owens des années 70, des Suburbia, qui a fait sa célébrité dans les banlieues californiennes, ça commence à arriver à Pittsburgh. Et on avait mis les ouvriers qu'on avait enlevés de ces quartiers là-bas, on les avait mis dans des maisons comme ça, toutes les mêmes, et il suit une famille d'ouvriers, il les suit pour les courses du dimanche, hein, le shopping qu'ils vont faire. Alors évidemment, j'ai mis ça, parce que ça correspond aussi, ça coexiste. Et donc, dans les murs, j'ai réuni ces deux opposés dans la même pièce. Là aussi, il était très fort dans ce genre de travail. Vous voyez comment ça, très traditionnel, on dirait du Karsh, ça cohabite avec le reste. Les gens qui présentaient les projets, les personnes âgées, par exemple, qui venaient dire « Mais non, on nous fout le quartier en l'air, ça va être une horreur, etc. » Et il a enregistré tout ça. Une délibération, une ouverture à la mairie, une ouverture de je ne sais plus quel symposium, on le voit en train de photographier là. Ce sont toutes les photos de nuit qu'il a faites, des carnavals et des fêtes de nuit. Beaucoup de tirages là aussi, de travail.
qui sont dans l'esprit de, l'école de New York, quoi, de la Photo League, et Robert Frank, et Moody Pitcher. Bon, c'est dans cet esprit de capturer cette espèce de truc comme ça qui n'a pas vraiment de stabilité, d'entre-deux, de choses, du moment commun. Et il reprend cette idée en faisant une véritable poétique du nom de rue, Climax, qui a évidemment une connotation sexuelle. Le Climax, évidemment, c'est l'apogée de la jouissance. Loyal Way, la rue Loyale. Vous avez ici Love, évidemment, et là, Bridge Street, la rue qui permet de nourrir. Et il y a certaines ne s'expliquent, ça c'est bon. Oui, ça me faisait référence à Shakespeare, mais par exemple ici, vous avez Rescue ou Dream Street, qui était le titre d'un feuilleton très à la vogue, très en vogue dans les premières émissions télévisuelles. Voilà. Alors, voilà la photo de. Regardez si elle était mal reconnue. Les images initialement, les regards, la voilà, The Moon Above the City. Tout ça, ce sont voilà, les images d'Eugène Smith qui ont été utilisées dans la. On est meilleur. Voilà, donc c'est un livre extrêmement intéressant, mais c'est ça la base du projet. Il y avait des tas de photographes qui étaient là-dedans. Voilà le livre, pardon, qui a été fait par Sam Stephenson. Et c'est à la libre disposition du public pour consulter, etc. Voilà, est-ce que vous avez des questions à poser avant de reprendre le train du plaisir en direction de Paris, qui aura une heure et demie de retard pour nous ajouter? Non ?